Les nouveautés merch de la semaine à Disneyland Paris. C'est dans cette vidéo, vous allez vous régaler. Avec un Loungefly Carl Fredricksen, la peluche épaule Mouchou et plein d'autres nouveautés. Eh ben, on va regarder, c'est parti. Il est au prix de 90€, il était disponible sur Disney Store mais en rupture actuellement. En tout cas, il est dans le parc. Regardez tous ces détails, de chaque côté vous avez un personnage. En plus, c'est du simili-cuir, ça fait vraiment un effet cuir. Hein. Ah, avec les fermoirs aussi qui sont un peu couleur vieilli, or vieux. Très très joli, les lunettes, il y a un petit effet plastique aussi sur les lunettes. La poche qui est arrondie, qui représente le gouvernail de la maison. Et dans le dos ici, on a la petite, le petit dirigeable ici, couleur argent. Elle est disponible dans les parcs, nous sommes dans la boutique Emporium, ici à Disneyland Paris. La peluche aimantée pour épaule Mouchou. Au prix de 20€. Avec sa plaque rouge, regardez, ici, très très belle peluche. Alors c'est pas un rouge très très foncé, hein. C'est un rouge plutôt clair. Exactement, c'est pas des couleurs intenses, mais très très jolie, peluche, hein, pour épaule. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ils sont disponibles du 34 au 42, regardez bien, c'est des chaussons avec des peluches Stitch carrément dessus, quoi. Au prix de 30€. C'est pas cher franchement, bon non, après c'est vraiment du chausson avec une semelle très légère, hein. C'est vraiment le chausson un peu souvenir. Mais alors il y a deux Stitch énormes dessus quand même, c'est dingue. Mais je dirais quand même la semelle assez épaisse, hein, quand même. Après c'est vrai qu'il n'y a pas de rigidité à l'intérieur, c'est très fin. Mais il y a de la mousse quand même, hein, heureusement. Nous les avons trouvés dans la boutique World of Disney du Disney Village, mais ils doivent être dans d'autres boutiques du parc. Oui, et anti-dérapant, attention. Une nouveauté au prix de 30€, un sac bandoulière. Là, on a Stitch ici. Voilà, on a aussi l'autre saut qu'on vous montrera après. Et la particularité qui est magnifique, c'est ce porte-monnaie très pratique. Une petite fermeture éclair, regardez. Il est indépendant, hein, de Stitch. Et le sac ici s'ouvre sous la tête. Il y a la fermeture éclair ici. Et vous avez une poche à l'intérieur. L'anse est en simili-cuir, hein, je pense. Très joli, hein, les couleurs, les grandes oreilles qui retombent. Et dans la même série ici, donc on a l'Otso. Alors il sent pas la fraise, parce que vous allez nous poser la question évidemment. C'est vrai, c'est normal, hein. Regardez le porte-monnaie fraise dans le dos, très très joli. C'est pratique pour mettre des mouchoirs par exemple. Ouais, c'est très coloré, j'aime bien l'expression aussi qu'il a, les couleurs qui sont un peu douces. Ouais, et il est tout doux d'ailleurs. Un regard vraiment expressif, moi j'adore son regard. Voilà, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de ces nouveaux articles, de ces sacs à dos, et on va continuer d'ailleurs sur la collection. Le sac bandoulière, pas un sac à dos, attention. Pour information, un téléphone portable peut être inséré dedans, alors c'est... un peu difficile, mais bon, ça rentre quand même, hein. Il fait 15,5 de haut, mon téléphone. Du SOL au prix de 36€, un nouveau t-shirt ici Stitch qui est disponible avec une peluche pour épaule dessus. Voilà, donc ce n'est pas une peluche aimantée, comme vous pouvez le constater, c'est des boutons pression, donc c'est pratique, hein. Vous pouvez la retirer si vous avez envie. Elle est toute mignonne, regardez. Et à l'avant ici, on a le Stitch en relief ici sur ce t-shirt et dans le dos. On va vous montrer le dos. Un petit imprimé Stitch. Voilà. Et c'est un bleu assez clair, hein. Ça rend peut-être pas très bien en vidéo. C'est un peu lavande, je trouve, comme couleur. C'est ça, exact. Un effet gaufré, en fait, hein. Un peu comme un emporte-pièce aussi. Du SOL aussi au prix de 36€. Bon, on a le même t-shirt ici que Stitch, mais version noire. L'imprimé ici en relief. Enfin, c'est pas un imprimé, mais c'est un marquage en relief de l'Otso. Un t-shirt noir intense, hein. C'est un contour, en fait. Et ici, le petit Lotso, toujours qui est amovible, avec des boutons pression aussi. C'est ça. Donc vous pouvez le retirer. Il tient bien en tout cas, hein. Ça c'est bien. Et il est dans une couleur un peu rose, vraiment pastel. Ouais, c'est plus clair que le sac, on dirait. Par contre, moi j'aime pas trop le noir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. J'aurais préféré qu'il soit rose. Au prix de 30€, ce nouveau Bob Stitch avec cette broderie, la petite peluche qui est cousue. À l'arrière, cette petite fleur qui est cousue, donc une petite étiquette. C'est un produit Disney Store, c'est écrit à l'intérieur, donc peut-être que ce sera certainement disponible sur le site. Et c'est 100% polyester, c'est un bleu gris, c'est assez rêche, hein, comme tissu. Et au prix de 30€, on a la version de l'Otso ici, avec toujours la broderie. Alors ça ressort plus parce que c'est du noir avec du rose. Et dans le dos du Bob, la petite fraise cousue. Et il sent pas la fraise, hein. Non.
Cette collection est aussi disponible dans la boutique Constellation à Disneyland Paris. Et certainement Walt Disney Studios, un store, mais on ne l'a pas encore fait. Hein. Voilà, mais pour info, vous le savez. Dans la collection Disneyland Paris du S au XXL au prix de 80€, ici le Teddy couleur noire avec ses manches synthétiques un peu couleur or ici. La broderie Disneyland Paris avec les trois petits chats des Aristochats, tout ça c'est couleur or. Et dans le dos, une grosse broderie Tour Eiffel avec les petits chats et puis les imprimés ici dans le fond qui représentent Paris. Ce nouveau Teddy est disponible dans la boutique Floraz du parc Disneyland Paris. Un nouveau suite est disponible dans la boutique Motors à Disneyland Paris, The Lion King. Au prix de 60€, du XS au XL, c'est un rouge assez clair, un orangé je dirais même. C'est carrément orange, hein. C'est carrément pas orange. Du tout rouge, c'est orange bon. Avec du délavé aussi, vous pouvez regarder ce orange ouais. Délavé, une couleur assez flashy quand même. Je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et l'intérieur, regardez, c'est légèrement molletonné. On vous montre le dos ici, tout délavé, voilà, façon assez orangé. Un peu tie and dye, orangé délavé. On vous le montre ici avec la lumière du jour, vous voyez bien ce orange et ce côté délavé sur ce très joli suite The Lion King. C'est un imprimé, hein, précision. Elle est disponible au prix de 40€, la maison de Carl Fredricksen qui fait dans les 40 cm de haut. Ça tombe bien, 40€, 40 cm. Et elle est lumineuse, il y a un bouton en dessous pour le power on-off avec des piles. Puis un autre petit bouton ici à côté de la cheminée pour l'éclairer. Il y a différents réglages aussi, si vous appuyez, vous pouvez avoir des petits éclairages par intermittence. Ici, voilà, ça c'est une décoration. On vous montre tout le tour de la maison avec tous les détails. Regardez si vous êtes fan de là-haut. Voilà, c'est pas très cher, hein, 40€ pour cette décoration qui est en plastique. Disponible dans la boutique Harrington au moment où on filme. La nouvelle saison de l'Orcana est disponible dans la boutique Storybook. Vous voyez tout ce qui est disponible en ce moment avec ces kits et puis ces cartes ici d'échange avec deux versions. Vous voyez, on vous montre les pochettes ici. Et puis les tapis aussi, voilà le kit et les tapis. C'est quoi les tapis ? Voilà, ici, tapis de jeu a priori, vous connaissez sûrement mieux que nous. On vous montre ça, voilà, et puis ici le trésor trading qui est disponible aussi. Vous avez aussi des petits lots de cartes ici qui sont disponibles à la caisse. Dans la série Food au prix de 90€, le Launchfly ici avec Mickey glacé, voilà. J'imagine que c'est la glace. C'est ça, et c'est un vert très très clair. Vert pistache. C'est ça, vert pistache. Sûrement une glace pistache chocolat. Sûrement, là on voit bien, mais là c'est vraiment très très clair en tout cas. Et il y a des imprimés, hein, c'est gaufré avec toujours la gaufre, la glace. La glace avec le biscuit de Mickey, et c'est dans ça. Le dos on va retrouver cette même impression avec les lanières couleur chocolat. Voilà, au prix de 90€. Disponible dans la boutique. Comment elle s'appelle encore ? Ribbons and Bones. Voilà, au moment où on filme, après ça sera non, peut-être c'est disponible. C'est Bixby Brothers ici pour être précis. Ah, ici, mais elles sont collées. C'est ça, mais ce sera peut-être disponible dans d'autres boutiques. Ils sont pris de 12€ pièce. En open edition, donc ce n'est pas une série limitée. C'est très très joli. Il y a Big Ben, la Belle et la Bête au milieu et à droite, Lumière. Il est au prix de 40€ le plaid Stitch et Angel Together Forever. Regardez ici, on a l'imprimé qui apparaît. Oh, so sweet, très très doux. Hein. Vraiment, des belles couleurs aussi pour ce plaid disponible dans la boutique Lily's. On vous précise que ce plaid est imprimé des deux côtés et il fait 180 par 180 cm. Dans la collection Toy Box, ici au prix de 15€, nous sommes dans la boutique Constellation, qui est la boutique de Buzz l'éclair de l'attraction à Disneyland Paris. On a Jessie et Zigzag et un autre choix à 15€, Buzz l'éclair avec son laser blast aussi. Voilà, 15€. Au prix de 35€, si vous l'avez raté, il est en stock dans la même boutique, Zigzag lumineux. Voilà, il y a un petit bouton devant pour l'allumer. Et vous pouvez du coup jouer avec ou le porter autour du cou par exemple ou sur votre tête comme vous voulez. Ou sur un sapin de Noël. Non, je plaisante. Très joli en tout cas.
Ce Launchfly Lotso au prix de 80 euros est toujours disponible dans les boutiques. Exactement. Alors faites attention parce qu'on l'a vu aussi à Constellation. Là, nous sommes à Ribbons, hein, la première boutique à l'angle à droite quand vous entrez dans le parc. Disponible à Constellation également, mais c'était dans l'étalage de promotion et ça ne l'est pas. Il n'est pas en promotion, voilà. Il est à 80 euros, mais toujours dispo si vous le cherchez. C'est ça. On confirme puisque un cast nous l'a confirmé. C'est le retour des Ears de Belle, de La Belle et la Bête, au prix de 35 euros, avec la petite broderie sur le côté, Disneyland, Paris, voilà l'arrière, très très joli. Le nouveau merch de la collection Pride est disponible dans les boutiques des parcs. Et si vous voulez voir chaque détail de tous les produits, il suffit de regarder la vidéo du merch de cette semaine, la vidéo merch Pride. Il y a également ce biqueux de la collection Pride qu'on a ajouté dans l'une de nos vidéos. Un petit passage au Disneyland Hotel dans la boutique pour vous montrer un peu ce qu'il y a en stock en ce moment. Toujours les tasses dorées, les petites tasses, les pulls. On est dimanche 12 mai, hein, précision, au moment où on filme. Les parfums, les bougies sont aussi disponibles. Là ici, c'est l'emballage des tasses, mais plus d'horloge, comme vous pouvez peut-être le constater. La peluche Mickey est en stock. Le set de posters, la lithographie aussi, on a le stylo, le carnet, le foulard, le t-shirt et le miroir. Réponse en stock dans cette série Disneyland Hotel pour laquelle aucune remise Disneyland Pass n'est acceptée. Les deux sacs à main de Donnenburg sont aussi disponibles. C'est le cas aussi des créations de chez Bernardo que vous voyez devant vous. Voilà, tout plein de stocks quand même au niveau du merch. Il y a juste l'horloge finalement qui est sold out pour le moment. Toujours dans cette boutique, vous retrouvez les collections qui sont vendues aussi dans le parc Disneyland Paris. Une partie même des soldes sont présents dans cette boutique. Et on se foulard ici qui est toujours disponible en stock. Voilà, qui est fait par le créateur, donc haute couture, hein, c'est de la haute couture, Julien Fournier. Pour info, les promotions sont toujours en cours à Disneyland Paris jusqu'au 29 mai. Et dans la boutique ici, Harrington, il reste des produits à moins 50 avec la bougie Encanto à 29 euros, donc remisée moins 50. Mickey ici avec le panneau Walt Disney Production à 129 euros qui est à moins 50. Le pot à crayon qui était à 30 euros et du coup il revient à 15. Et il y a aussi la réduction possible, hein, si vous avez le pass annuel bien sûr. Voilà, c'était le pot orange en vert. Oswald ici à 119 euros moins 50. Du coup, Madame Léota est à 59 euros, ça revient, ça fait quoi, 75 si je me trompe pas. Voilà, 159 euros et 149 euros ici. 149 euros, ça fait, alors je me suis trompé Madame Léota, ça fait pas 75, ça fait 80. Mais bon, si vous avez le pass annuel, on doit être dans les 75 voire en dessous. 149 divisé par 2, bah vous me dites en commentaire combien ça revient. Pour le train de la mine et 49 euros ici, moins 50 aussi pour le Hollywood Tower Hotel. Voilà, ou la tote pour les habitués. Alors un petit aussi, on continue dans le Hollywood Tower Hotel, la plaque à 89 euros initialement. Voilà, elle est très lourde. Hein. Moins 50. On a le coffre du capitaine de l'attraction Pirates des Caraïbes à 49 euros avec sa petite pièce, hein, et son petit sachet en velours rouge. Donc ça revient à moins 25 euros du coup. Et tous les boutons de manchette 29 euros ici qui sont à moins 50. C'était des séries limitées mais ça n'a pas rencontré un grand succès. Ouais. Donc si vous mettez des chemises ou des vestes et que vous souhaitez des boutons de manchette, il y a de quoi faire ici à moitié prix. Ces articles remisés sont aussi disponibles dans la boutique World of Disney dans le Disney Village.